Ces dernières heures, l'ennemi a multiplié ses actions contre nos vaillantes forces. Ainsi, le dimanche 12 mai à Dambatao, dans la zone de Titao, les criminels ont lancé un assaut qui sera vigoureusement maté par les VDP, de même qu'à Tansila dans la boucle du Moon, où une défaite cuisante leur a été infligée. Plusieurs dizaines de criminels ont été neutralisés et du matériel récupéré. Par ailleurs, des offensives ont été menées à succès à Bomboroki, dans la boucle du Moon et aussi dans la zone de Yalka, ainsi qu'aux alentours non loin de Kongosi. Plusieurs criminels tués, des armes et autres logistiques récupérées, de même que du bétail. Ce 11 mai, les observations ont permis la détection d'un important groupe terroriste regroupé au nord de Filio. Ils sont minutieusement observés pendant de longs moments. Puis les combattants du ciel lancent l'attaque. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Ils vont brûler avec leurs moyens. Toujours dans la même journée, vers 18h40, les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque contre Ramba dans la zone de Wayuguya. Très vite, ils y mettent le cap et constatent la colonne de criminels en fuite vers le nord. Ils sont minutieusement suivis jusqu'à un verger à Wélé où ils se camouflent sous des arbres. Un missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux, sous ces bois. Un rescapé de ce groupe va évoluer vers un autre groupe soigneusement camouflé et dévoiler leur position pour leur part du gâteau. Ils sont immédiatement servis. Hier, 15 mai, les observations dans la zone de Touga ont permis de déceler un groupe de criminels à moto en mouvement vers une position amie. Ils vont se joindre à d'autres criminels dans un verger dans le village de Gourambouli, au sud-est de Tougan, pour parfaire leur plan sûrement. D'autres criminels vont les y rejoindre. Ils s'installent sous plusieurs arbres. Très vite, un groupe important est ciblé sous un grand arbre et frappé efficacement. Ce 16 mai, aux premières lueurs, l'unité mixte Tourbillon et le détachement du 52e RIC vont lancer une reconnaissance offensive dans ces bois en vue de neutraliser les rescapés
et récupérer du matériel. Les opérations se poursuivent.